Bien. Alors, bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Je suis très heureuse de vous retrouver et de vous accueillir encore ce soir pour notre troisième webinaire de biopsychogénéalogie qui, ce soir, est relié au décodage biologique afin d'avancer dans cette année 2022. Alors, je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde d'arriver. Merci aussi à ceux et celles qui m'ont mis, donc des habitués, j'allais dire, qui m'ont mis leur provenance. Ça me fait très très plaisir de voir que les quatre coins de l'Hexagone, s'il y a plus que quatre d'ailleurs, sont représentés, mais aussi des personnes qui viennent d'autres pays. Alors, si vous voulez bien, pourriez-vous me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien? Voilà, je vous remercie. Avant de commencer, pour être sûr, en espérant que la technique sera une fois encore avec nous ce soir, que vous entendiez bien et que vous voyez bien. Car je crois que la dernière fois, il y a eu un souci avec l'image qui restait fixe. Mais en revanche, le son était bon et c'est ce qui est primordial parce que ce n'est pas très important de me voir. Ce qui est plus important, c'est que dans une conférence, vous puissiez m'entendre. Bon, alors, je regarde si tout va bien. Alors, nous sommes à peu près à la moitié des personnes, même pas la moitié des personnes qui se sont inscrites, mais je vais attendre encore quelques secondes et puis ensuite nous pourrons démarrer. Alors, voilà, je pense que tout est bon. Oui, très bien. Alors, oui, tout est bien. J'ai même des gens du Brésil, un peu partout. C'est magnifique. Très bien. Alors, j'attends encore quelques secondes. Et peut-être en attendant, comme à la première et deuxième présentation que je vous ai faite le 1er février sur l'affectif, et le deuxième, le 16 février, sur le travail, eh bien, nous sommes une fois encore très nombreux ce soir et je ne pourrai donc pas vous nommer toutes et tous individuellement, mais je vous remercie une fois encore d'être présents et présentes. Alors, je suis d'autant plus touchée qu'en parcourant la liste des inscrits, comme les dernières fois, eh bien, je retrouve un bon nombre de personnes qui m'ont donné leur confiance et que je retrouve avec un très grand plaisir, que ce soit des stagiaires ou bien des personnes que j'ai accompagnées individuellement. Alors, à ce sujet, je profite de cette rencontre pour une fois encore vous rappeler qu'il serait utopique de croire que l'on peut changer une vie en une ou deux séances, même si cet outil qu'est la psychogénéalogie et le décodage biologique associés sont incroyablement efficaces et pertinents. Même si je vous dis du conte de fées au conte de fées. Oui, ça peut être un conte de fées, mais en même temps, c'est un conte de fées pour les personnes qui y croient dur comme fer. Ça peut être dans l'instant, puisque le cerveau guérit dans l'instant. Mais parfois, il faut parfois plus de séances, et tout particulièrement, je dirais, les séances sont importantes en décodage biologique, car ça nécessite d'être toucher émotionnellement et pas seulement comprendre. Alors, c'est pourquoi j'ai mis en place une autre manière d'avancer efficacement et je vous en ai parlé dans les précédentes présentations, mais je vous en reparle ce soir aussi parce que je sais qu'il y a des personnes que je ne connais pas et qui peut-être ne me connaissent pas. Je voudrais aussi dire que j'ai fait une petite erreur technique ou tactique,
J'ai dit à certaines personnes qui m'ont téléphoné ou écrit qu'elles pouvaient visionner les deux premières présentations de février sur ma chaîne YouTube. Or, ça n'était pas mis, je croyais que ça se faisait automatiquement, mais par contre, ça a été, en revanche plutôt, ça a été mis ce soir. Donc, à partir de demain, vous pourrez voir les deux premières présentations, et certainement, en tout cas, dans les jours qui viennent, celle-ci qui sera en replay sur mon YouTube. Alors, j'ai tenu à faire ces conférences car l'humanité actuellement vit, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, malheureusement des choses difficiles. Et les guides m'ont soufflé de reprendre ces conférences que j'animais très fréquemment les années passées et que, bien évidemment, j'ai accepté de présenter à nouveau pour vous aider à traverser ces turbulences actuelles qui sont aujourd'hui plus que jamais, avec l'histoire de la Russie parfois inquiétante, pour vous alléger des fardeaux familiaux qui ne vous appartiennent pas et qui vous empêchent de vivre le bonheur et rien que le bonheur sans être touché par les circonstances extérieures. Alors, ce moment, puisque nous avons eu la pandémie, que nous avons été un peu restreints dans nos mouvements, eh bien, peut-être est-ce un bon moment et une bonne occasion de faire une pause dans votre vie afin de glaner auprès des vôtres toutes les informations nécessaires à votre évolution, qu'elles soient personnelles ou et familiales. Alors, pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas, ce que je pense qu'il y en a certainement beaucoup, avant de commencer, je souhaiterais rapidement me présenter et vous faire partager la passion qui m'anime depuis bientôt plus de 40 ans. Alors, je suis psychogénéasiste, décodeur biologique, constelleur familial, énergéticienne, sophrologue, accompagnatrice en régression mémorielle, c'est-à-dire les vies antérieures. Et enfin, j'anime des web-ateliers bimensuels depuis 2 ans pour accompagner le plus nombre de personnes pour trouver leur mission d'âme et communiquer avec les êtres de lumière. Ce soir, je vais axer bien sûr cette conférence seulement sur le biodécodage, associé à la psychogénéalogie bien sûr, qui se compose de 5 éléments distincts faisant partie intégrante de l'être humain. L'affectif, que nous avons vu en février, la communication, le travail, que nous avons vu aussi en février, avec la notion bien sûr d'abondance, l'équilibre de la santé, que nous allons voir ce soir, et la sexualité, que nous verrons en fin de mois. Tout cela, je l'ai regroupé dans une web formation que j'ai intitulée, pardon, ACT, ACTES, par les 5 premières lettres de chaque pilier, dont je vous parlerai dans d'autres interventions. Mais d'ores et déjà, voici la prochaine date de conférence qui aura lieu non pas le mardi, comme c'est souvent le cas, mais le 18 mars, qui sera un vendredi. Mais vous recevrez bien sûr l'information en son temps. À ce sujet, je voudrais dire d'emblée, j'ai des personnes qui m'ont écrit en catastrophe quelques secondes avant de démarrer parce qu'elles n'arrivaient pas à se connecter, elles n'avaient pas le lien. Eh bien, il semblerait que par leur inbox, à partir de 18h30, 19h maximum, je crois, vous ne pouvez plus avoir le lien direct, mais de toute façon, vous pourrez avoir le replay. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par les conférences que je donne, vous inscrire plus tôt dans la journée. D'autant qu'il y a des rappels, au moins 2, sinon 3, 2 jours avant et puis 2 dans la journée. Alors, ce soir donc, nous allons bien sûr parler de la notion de santé. Et en fin de rencontre, je répondrai à quelques questions afin que vous ayez des pistes pour vos interrogations. Et vous allez voir,
Voilà, je suis une incorrigible parce que je vous donne énormément d'informations dans mes conférences et évidemment, je donne peu de réponses parce que je donne tellement, tellement pendant la conférence que je pense que vous aurez très peu de questions, ce qui s'est d'ailleurs passé lors de les deux premiers rendez-vous. Alors, je vous invite aussi, pendant mon temps de parole, à les écrire sur le chat, parce que comme il y a un temps de décalage entre votre écrit et ce que je peux vous répondre, eh bien, ça permettra de gagner du temps. Alors, les pistes de recherche que je vous propose d'investiguer freinent la réalisation de votre vraie nature sur le plan de la santé. Mais osons-nous croire vraiment qu'elle est à notre portée? C'est l'objet de ce soir et cette présentation, vous allez pouvoir lancer cette invitation et sentir comment la bonne santé peut prendre sa place dans votre histoire afin d'avancer dans la joie et la confiance du meilleur pour vous. Cette soirée sera l'occasion de comprendre l'importance des conditions de votre naissance, de votre environnement et celle bien sûr de votre lignée, et l'influence qu'elle a eue sur toute votre vie reliée à la notion de bien-être et d'équilibre dans votre corps, c'est-à-dire la notion de santé. Déjà, par la simple écoute, vous participerez activement à accélérer l'élévation de la conscience au niveau de la santé, tant pour vous que pour toute votre lignée. Vous intégrerez le concept de virginité énergétique dans vos histoires psychologiques non réglées, car si elles ne sont ni apaisées ni guéries, si vous n'avez pas compris de qui vous racontez dans votre histoire, dans votre corps, eh bien, si vous n'avez pas choisi de les transmuter, alors il sera plus difficile d'accéder rapidement à un état de santé optimum. Alors, comme pour les autres piliers, affectif, travail, eh bien, là aussi, pour la santé, le script est écrit d'avance. C'est comme une grande pièce de théâtre qui se joue à votre insu. Et les difficultés de santé se vivent en miroir pour que les blessures transmises consciemment ou non par vos deux lignées puissent guérir. Alors, je vous montrerai par des exemples concrets comment les difficultés physiques ne sont pas dues au hasard. Cependant, comme les autres aspects de l'être, la maladie n'est pas inéluctable. J'insiste sur un point essentiel. Je l'ai dit pour les autres piliers. S'il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir ce soir, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Et qu'à chaque instant, vous pouvez décider de vous en libérer en choisissant d'écrire votre propre script. Alors, ceci est un voyage initiatique et je me propose de vous aider à relire votre histoire familiale sur le plan de la santé pour découvrir comment cet héritage psychologique habite aujourd'hui votre présent et à quelles répétitions douloureuses il vous soumet à travers des pathologies. C'est une saga qui peut se vivre comme un conte, et de conte de fées en conte de fées. Il s'agit de réaliser son conte de fées personnel et faire la lumière sur les différents enjeux familiaux. Je l'ai appelé comme ça, il s'agit du livre que j'écris, hein, du conte de fées au conte de fées, car en fait, ce sont des faits que vous me racontiez qui sont souvent douloureux. Et par la compréhension, d'une part, un comprendre, deux, décider le changement, et trois, passer à des actes de guérison, eh bien, nous pouvons faire alors un conte de fées personnel. Lorsque les secrets sont levés, eh bien, vous aurez un regard apaisé sur votre véritable histoire, et elle vous permettra alors de guérir afin de vous éveiller à votre réalisation et vivre votre légende personnelle en pleine santé. Ce parcours initiatique dans l'histoire psychologique familiale vous permettra aussi de tendre vers une évolution authentique et durable.
ce parcours est un pont entre le développement personnel et la spiritualité. Ma proposition, c'est de devenir acteur, autonome et responsable de sa vie dans les 5 piliers de son être, mais bien sûr, ce soir, dans le pilier de la santé. C'est aussi parcourir en pleine conscience sa vie à ce jour. Alors, j'espère que ce soir, je vais être suffisamment contagieuse pour que vous osiez devenir acteur et actrice, autonome et conscient, responsable de votre vie, dans les aspects spécifiques et tout particulièrement sur le plan de la santé, en vous libérant de tout ce que vous portez sur le plan de la relation à votre corps, relié à votre esprit. Alors, ceci, c'est prendre le temps pour soi de réflexion, de compréhension et de décision de changement pour expérimenter votre espace nouveau de création face au monde. En fait, c'est choisir de se vivre comme un être entier, corps, cœur et âme, mais aussi esprit unique, bien que vous accepterez en même temps d'appartenir à votre clan. Ce voyage s'est allié aussi deux approches qui sont associées, que j'ai personnellement associées donc, c'est la psychogénéalogie et l'approche quantique. Et l'approche quantique qui allie autant les connaissances pratiques et théoriques que la connaissance énergétique et spirituelle. Alors, en devenant acteur et actrice responsable de votre vie, vous pourrez alors avoir des outils fiables et pertinents pour changer radicalement de trajectoire, dans les 5 piliers de votre être et particulièrement pour la santé. Ce voyage va vous permettre de comprendre que vous portez de l'histoire douloureuse de vos ascendants et ainsi pouvoir choisir et décider volontairement de vous en libérer pour vivre votre véritable nature. Comment le faire? C'est débusquer les secrets de famille et guérir ainsi des conséquences dans votre propre vie en matière de santé. C'est une grande opportunité, d'autant plus importante et nécessaire qu'aujourd'hui, nous traversons, comme je le disais tout à l'heure, de zones de turbulence énergétique et autres, et psychologique. Mais nous avons aussi actuellement la chance de pouvoir surfer sur des fréquences beaucoup plus puissantes, des vibrations très élevées qui, si nous les intégrons, vont vous permettre de réaliser beaucoup plus rapidement vos changements de paradigme. Et ceci en adéquation avec cette Terre qui est en train de pulser beaucoup plus rapidement, avec des vibrations beaucoup plus hautes. Un mot clé que vous devez comprendre avant de commencer, c'est que le cerveau accepte le changement de paradigme grâce à sa capacité spécifique. La notion, qui est une notion universelle de « c'est » égale « comme si ». Et c'est ce que nous allons voir tout particulièrement pour les pathologies. La santé est une loi divine. La nature est en harmonie, mais l'être humain, elle, lui, en raison des souffrances du passé, reliées aussi à des croyances erronées, va créer du déséquilibre. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser quelques questions. Osez-vous croire qu'il est possible de choisir d'être en parfaite santé? Pour cela, c'est connaître d'où l'on vient pour décider volontairement où l'on veut aller. Peut-être avez-vous du mal à l'envisager et vous demandez-vous aujourd'hui comment vous pourriez le réaliser. Avez-vous envie de changer le script dont je vous ai parlé tout à l'heure? Celui qui est écrit par vos ancêtres, et de faire de votre équilibre santé une valeur sûre, en comprenant pourquoi vous avez mis en place une pathologie particulière, et de ce fait, comment donc vous allez pouvoir la décréer.
Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi vous vivez des pathologies douloureuses et invalidantes, et ceci de manière récurrente? En ce qui me concerne, j'ai voici plusieurs années été en proie à une pathologie invalidante lourde, jusqu'à ce que je me mette en œuvre mes connaissances en décodage biologique, en apprenant d'abord certains secrets que j'exprimais dans mon corps. Et c'est en fait par les constellations familiales, du fait que mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, les arrière-grands-parents, je n'ai pas de frères et sœurs, je n'avais aucun moyen d'avoir des informations, et ce sont les constellations familiales qui m'ont permis d'avoir accès à certains secrets de famille qui étaient totalement en lien avec la pathologie que j'avais développée et donc que j'avais créée. Alors je vous en dirai plus tout à l'heure puisque je vous donnerai pas mal d'exemples de pathologies et je vous raconterai bien sûr en tout premier lieu mon histoire personnelle. Alors, au-delà de vos désirs et de vos intentions, est-ce que vous voulez comprendre quelle influence ont eu vos ancêtres sur votre santé? Êtes-vous prêt à œuvrer pour cette nouvelle terre et à faire de ce changement radical de paradigme dans votre santé une manière de manifester la plus belle expression et de faire de votre conte de fées un véritable conte de fées? Nous avons parfois la vague impression de porter ou de vivre quelque chose qui ne nous correspond pas. Notre vie est parfois parasitée par des attitudes ou des comportements qui, si on ne peut les régler psychologiquement, vont se manifester dans notre biologie. Sachez que je vis la biopsychogénéalogie de manière sacrée pour appréhender la vérité sur son histoire familiale. Ce qui caractérise mon travail, c'est la reliance des connaissances pratiques et théoriques avec la connaissance énergétique et spirituelle qui, pour moi, sont la clé de voûte de mon accompagnement. Je m'appuie sur des outils fiables et pertinents afin de vous permettre de changer de trajectoire et de choisir en toute conscience de, comme je le disais tout à l'heure, bouger les lignes quantiques. Et j'en appelle là à votre âme pour faire ce retournement. Pour cela, il est nécessaire de débusquer les secrets de famille, donc, pour guérir des conséquences dans votre vie. Alors, ces secrets et ces drames familiaux ébranlent souvent, en tout cas, la plupart du temps, si violemment un système qu'un de ses membres, en fonction de son prénom, de sa date de naissance et de sa place dans la fratrie, se met inconsciemment à porter le poids d'un drame pour quelqu'un d'autre, donc quelqu'un du dessus, hein, un ancêtre, et tout particulièrement donc un aïeul dont il a la place, le prénom ou la date, et cette décision inconsciente de reprendre à son compte la blessure qui est née pas guéri, eh bien c'est une preuve d'amour. J'ai fait d'autres conférences qui disent « Et si l'amour était la fin mot de l'histoire ?» Oui, l'amour est le fin mot de l'histoire et lorsqu'on crée une pathologie, c'est pour se souvenir d'une histoire non réglée. Dans cette recherche, vous accéderez à une vision juste de la programmation véritable qui a été vécue par vous-même et par chaque membre au sein de votre famille, même si elle est difficile à accepter, en reprogrammant positivement votre cerveau par des intentions conscientes, s'appuyant sur la puissance extraordinaire de votre esprit. Le fameux « c'est égal comme si ». C'est-à-dire qu'en matière de guérison, l'imaginaire est aussi puissant que le réel, sinon plus puissant. Le cerveau guérit dans le réel, le virtuel ou le symbolique. Alors, la psychogénéalogie donne la clé de transformation à tous les descendants
comme je le disais, par la lecture prénom, date de naissance, de décès, les maladies, qui est une porte d'entrée importante. Et bien sûr, comme je vous l'expliquais pour moi, cet outil extraordinaire que sont les constellations familiales que je pratique avec bonheur depuis si longtemps. Alors maintenant, je vous invite à faire avec moi un voyage initiatique à travers l'histoire de votre généalogie en revisitant les aspects de votre être pour créer une déprogrammation cellulaire. Nous gardons ce bagage transgénérationnel à travers tout ce que je vous ai dit, les rencontres affectives, toutes ces portes d'entrée extraordinaires. Alors, avant d'avancer, je voudrais vous montrer deux croquis que je vous ai déjà montrés la dernière fois, mais qui servent également pour les maladies. Il s'agit du cercle de vie. Alors, je pense que là, ça va être mieux parce que la dernière fois, je crois que n'ayant pas l'image, vous n'avez pas pu le voir. Donc, le voici. Voilà. Donc, le cercle de vie où vous voyez les dates. Alors, j'ai pris ma date, 16 octobre, et la date d'essai, ce n'est pas la mort, mais c'est la date de conception. Puis, en haut, ça s'appelle le point de vie, et à droite, à gauche, plus pardon pour vous, ça s'appelle le point de gisant. Alors, ce sont quatre dates que vous pouvez bien sûr calculer pour vous, bien sûr, qui ne sont pas les miennes. Comme vous pouvez voir, c'est de 3 mois en 3 mois. Et si on fait le tour du cadran, eh bien, ça fait 9 mois, le temps d'une gestation. Donc, pour le calculer, c'est simple, vous prenez votre date de naissance et vous, rajoutez 3 mois. Donc, octobre devient janvier. D'accord ? Donc, puis janvier devient avril et avril devient juillet. Alors, sachez que tout le monde n'a pas un point de gisant. Je vais vous rappeler ce que c'est. Le point de gisant, c'est donc à midi un quart. Le point de gisant est une date très particulière qui rappelle les morts inacceptables et inacceptées dans le clan. Exemple, un enfant qui meurt à l'âge de 3 ans, un soldat qui meurt à la guerre à 20 ans, etc., etc. Et surtout, le deuil n'a pas pu se faire. Et donc, il y aura un descendant qui aura sa date de naissance ou sa date de point de gisant parce qu'il ne faut pas oublier ce drame. Tout en haut, ce point de vie, alors, c'est plutôt la possibilité de sortir de ces schémas répétitifs et de ces dates signifiantes ou ces dates anniversaires. Donc, c'est intéressant d'avoir ce point-là, car ça veut dire que c'est un moment où vous avez pu, vous allez peut-être faire des choses particulières, vous allez écouter une conférence, vous allez faire un stage, vous allez lire un livre ou même des rencontres particulières où on va vous donner des informations qui vont vous permettre de sortir d'une problématique particulière. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer le deuxième croquis que j'avais montré également, mais qui, je crois, n'a pas pu passé, c'est pour ça que je le remonte, et surtout il est aussi valable pour les maladies, eh bien il s'agit du carré parfait. Voilà. Alors, le carré parfait, qu'est-ce que c'est? Ça se lit de manière verticale. Et on verra tout à l'heure les lois de la biologie, elles sont tertiaires, et là vous voyez, 1, 2, 3, et puis, deuxième rang, 4, 5, 6, troisième rang,
7, 8, 9, etc., etc. Et on peut aller autant de fois qu'on veut plus loin, parce que parfois, dans certaines familles, il y a 18 enfants, donc on continue. Et ensuite, on va lire verticalement ce carré. Et donc, si vous êtes numéro 1, vous êtes relié à tous les numéros 1, tous les numéros 5, tous les numéros 7. Si vous êtes numéro 2, vous allez être relié à tous les numéros 2, tous les numéros 5, 8. Et si vous êtes numéro 3, vous serez relié à tous les numéros 3, tous les numéros 6 et tous les numéros 9. Alors, c'est important de le voir parce que on va voir que ce n'est pas, ça ne tombe pas tout à fait par hasard sur telle ou telle personne. Lorsqu'il y a différents enfants dans une fratrie, eh bien, en fonction du prénom, de la date et de la place, on va être lié à tel ou tel ascendant qui n'a peut-être pas pu guérir de certaines blessures, et donc c'est pourquoi les descendants n'ont pas les mêmes histoires de vie, d'abord parce qu'ils n'ont pas la même place, n'ont pas le même âge, et ils n'ont pas vécu les mêmes choses dans une famille. Enfin, il est important, c'est aussi à cause de cela qu'on vérifiera les IVG, les fausses couches et les enfants morts-nés pour être sûr que vous êtes bien à telle place et donc savoir à qui vous vous reliez et comment dans votre corps vous racontez la problématique d'un aïeul. Bien, alors, en fait, donc ce cercle de vie et ce carré parfait, il peut être, travaillé dans tous les registres, dans les cinq piliers de l'être. Alors, pour les prénoms, je vais, je vais émailler quelques exemples concrets. Et bien sûr, si cela vous parle, j'ai fait beaucoup de conférences aussi sur simplement les prénoms. Donc, vous pouvez aussi vous référer à cela. Alors, voici quelques prénoms en décodage biologique qui sont très explicites. Et je vais vous le relier avec les maladies. Les problèmes circulatoires, par exemple, les plaquettes, la leucémie, les plaquettes qui sont faibles, par exemple, les leucémies, le manque de fer ou l'alcoolisme, eh bien, ce sont des mémoires de filiation, des mémoires d'absence de père biologique ou d'amour ancillaire. Alors, qu'est-ce que sont les amours ancillaires? C'est les mémoires où on a une relation de patron à employé. Souvent, c'est dans les mémoires de noblesse qu'on retrouve où le châtelain a compté Fleurette à une servante, par exemple. Alors, les prénoms qui racontent ça sont Vincent, Eugène, Alexandre, Xavier, Joseph, Laurent, Audrey, tous les prénoms en X, Alexis, Xavier, donc Xavier, je l'ai déjà dit, etc. Et en fait, par exemple, Eugène, comme c'est phonétique, c'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux, Eugène, c'est « on s'en vient d'un autre gène ». Vincent, « on s'en vient d'un autre sang ». Alexandre, Xavier, Alexis, il y a un X dans ce prénom, et donc il y a un inconnu dans votre système. Et lorsqu'il y a un père biologique manquant, lorsqu'il y a un inconnu dans votre système, eh bien, on aura probablement, alors, au moins grave des problèmes circulatoires, mais au plus grave, une leucémie. À ce sujet, je vais me reprendre dans ce que je viens de dire. Il n'y a pas de maladie grave, car si on comprend le conflit inhérent à la pathologie, alors je ne vais pas le dire moi, parce que je ne peux pas le dire en tant que non-médecin,
Mais M. Claude Sabat, qui m'a enseigné, médecin, disait un cancer phase finale n'est pas plus dangereux qu'un rhume. Comprenez par là que, à partir du moment où on comprend le pourquoi de la pathologie que l'on a créée, alors on peut le décréer. Malheureusement, et je fais une petite parenthèse, ce que disait aussi Claude Sabat, il disait, malheureusement, on est plus malade du, comment dirais-je, diagnostic que de la maladie elle-même. Il est certain que si on a un rhume, on ne s'inquiète pas trop, alors qu'on peut être inquiet pour un cancer. Et pourtant, le processus de guérison est le même. Alors, voilà pour les maladies de sang, mais nous avons aussi, par exemple, les maladies du pancréas. Eh bien, le pancréas, je vais vous donner un prénom qui va avec, c'est Adeline. Là aussi, c'est une mémoire de noblesse. Et là, on a une mémoire de déshonneur et d'amour ancillaire également, puisque on est dans la noblesse. Alors, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais je vous donne celui-là, car on pourrait passer des heures ensemble avec rien que les prénoms et les maladies en lien. Eh bien, pour le pancréas, c'est une chute sociale, et là, on aura comme maladie les scléroses en plaques, les fibromyalgies et toutes les maladies rhumatoïdes invalidantes. Avec Anne et Soizic, on aura des mémoires d'accouchement difficiles. Mais il y a encore bien d'autres prénoms qui le racontent encore. Avec le prénom d'Antoine, on aura la maladie de vitiligo. Le vitiligo, vous savez ce que c'est, hein? C'est une dépigmentation de la peau. Et là, on a des mémoires de souillures sexuelles, pour ne pas dire des viols ou des incestes. Mais il y a encore beaucoup d'autres prénoms qui racontent cela. Et bien sûr, les prénoms qui le racontent, c'est tous les noms de fleurs, Marguerite, Rose, Flore, bien sûr Violette, Viola, etc. Avec le prénom de Nathalie, on a un exil et il y a eu une difficulté d'intégration, mais aussi des problèmes relatifs à la naissance, hein, Nathalie, natalité. Eh bien, là, on pourra avoir des embolies pulmonaires. Avec le prénom de Marie-France, on a des mémoires d'épilepsie et d'obésité. Alors, en fait, avec Marie-France, on a une mémoire de conflit relationnel avec une problématique réelle ou symbolique d'inceste avec le père, d'où la pathologie de surdité. Enfin, avec le prénom de Marie-France, mais il y en a d'autres aussi, on aura une rétroversion utérine si la mère n'a pas fait l'enfant avec l'homme aimé. Avec le prénom de Laurence, il y a des mémoires de fuite, mais aussi des problèmes liés au temps, et c'est la thyroïde qui va leur raconter, les phlébites. Mais aussi, Laurence raconte des rancœurs familiales, et c'est la vésicule biliaire qui le racontera. Avec le prénom Camille, nous aurons là encore une sexualité qui est mal vécue, avec une notion de souvent ignominieuse. Et là, on aura des problématiques de sacrum. Sacrum, on peut le prendre sacrilège, hein? L'homme sacré ou l'homme sacrilège. Avec le prénom de Caroline, nous sommes de nouveau dans les maladies de sang. Parce que Caroline, c'est Charles, et Charles, c'est les mémoires de noblesse, et c'est les mémoires de naissance
d'affectif, j'ai perdu le mot, ancestral. Le prénom Brigitte raconte la fuite précipitée, et là, on aura une mémoire de destruction. Et c'est alors les pathologies rénales qui vont faire sens. Avec Bruno, on a des mémoires de séparation, et là, ce sont toutes les maladies de peau. Alors, ça peut être eczéma, psoriasis, enfin voilà, toutes les problématiques de peau. Ça peut être érysipèle aussi, voilà. Avec le prénom de Patricia, nous avons de nouveau un manque de reconnaissance avec des mémoires de noblesse, et là, c'est le bruxisme. Et qu'est-ce que le bruxisme, pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas? C'est les dents qui grincent. On dort en grinçant des dents. Avec Thérèse, il y a une mémoire de séparation. Et pour cela, on aura soit aussi des eczémas, hein, on aura des problèmes d'estomac, de thyroïdie, de foie et de vésicule. Et la vésicule, c'est une rancœur familiale. Enfin, il peut y avoir des diabètes et des grossesses difficiles. Alors, je vais encore vous en donner quelques-uns et après je continuerai notre cours car nous pourrions aller plus avant. Si vous êtes intéressé, vous pourrez bien sûr réécouter parce que je passe vite sur tous les prénoms. Donc, je vous invite à réécouter si vous... pour que vous puissiez voir dans votre histoire, lorsqu'il y a ces prénoms, si nous avons les maladies, et alors comment relier cela. Mais tout à l'heure, je vous ferai le cours concernant ça. Alors, nous avons aussi une autre situation, c'est avec le prénom de Claude. Claude raconte qu'il y a des chutes, c'est le boiteux, hein, le claudiqué. Et il y a aussi des mémoires de situations honteuses avec le vitiligo. Pourquoi le vitiligo, les taches blanches? Parce qu'il faut monter patte blanche. Il faut montrer patte blanche. Avec Cécile, on va avoir des soucis ophtalmiques parce qu'il faut sceller et bien garder un secret. Enfin, avec Valérie, il y a des maladies qui sont dues à des discordes familiales et de corruption et de maladies, de longues maladies dans l'arbre. Et souvent, nous aurons des mémoires des pathologies de tuberculose. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais revenir un peu plus avant et vous montrer comment on peut avancer dans un système. Qu'est-ce que c'est que la biopsychogénéalogie? C'est l'alliance de la psychogénéalogie, de la psychologie et de la généalogie. Alors que moi, j'ai aussi adjoint, personnellement, l'approche quantique, ou appelée encore décodage biologique, ou encore nommée la déprogrammation cellulaire. Et c'est ce qui va nous intéresser ce soir. L'arbre généalogique est comme un grand mobile. Et s'il manque un des mobiles, un des éléments, eh bien, les éléments, ça peut être les manques, les mémoires de croyances limitantes, les secrets non dévoilés, les peines non exprimées. Eh bien, l'arbre va être, ou le mobile, va être totalement déséquilibré au fil des générations. Et cette transformation est donc possible à travers la lecture des véritables situations vécues et celles qui ne sont pas apaisées pour guérir une pathologie chez le descendant. Le sens des maladies raconte la transmission des générations antérieures. Dans la nature, l'arbre est le lieu d'une transmission, c'est un flux permanent. Et ces flux passent par des filtres et suivent des lignes de force. Dans un rythme qui lui est propre, notre arbre se comporte de même. Les transmissions nous ont façonnés, nous façonne et continue de nous façonner, et c'est une entité en quelque sorte vivante. En psychogénéalogie, ces transmissions deviennent aussi une trace et un langage
comme en généalogie. Et c'est en relevant les drames non connus et non guéris que nous pourrons alors libérer ce langage et pouvoir le lire. D'une génération à l'autre, les blessures sont non connues et non guéries poursuivent leur intrication. Alors, maintenant, voici ce que vous allez connaître, vous avez à connaître plutôt, pour choisir de guérir de pathologies que votre cerveau a mis en place. Tout d'abord, si je peux m'exprimer ainsi, il y a les paroles et il y a la musique. Et ce sont des choses très différentes. Car dans chaque famille, il y a une histoire, mais elle n'est pas toujours juste. Soit parce que c'était indicible, soit parce que on ne la connaît pas, l'histoire. Alors, c'est pourquoi il va falloir vraiment écouter la véritable histoire. Souvent, il s'agit de situations vécues comme honteuses et qui, du coup, vont être oubliées, entre guillemets, consciemment ou pas, car elles sont indicibles. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure le carré parfait, eh bien, vous pourrez alors décoder les filiations psychologiques secrètes, douloureuses, dans le clan. Alors, les maladies, en fait, ce sont des maladies qui se somatisent. Donc, on va regarder un peu la santé à travers la somatique. D'abord, ce que j'aimerais vous dire, je vais évidemment vous donner beaucoup d'éléments, mais ne soyez pas inquiets, parce que heureusement, vous ne portez pas tout. Ce sont des pistes de recherche. Hein. Donc, heureusement, les conflits ne donnent pas toujours les somatisations. C'est le ressenti qui va déterminer la zone et l'organe qui sera atteint. En fait, c'est comme si un descendant allait prendre la relève pour résoudre le problème de la famille. La guérison se fait lorsqu'on voit la réalité comme elle est. Et nous sommes tous dans une réalité déformée. C'est quand on met à distance que l'on va permettre alors de voir ce qui est. Et le symptôme donne la réalité. C'est le principe de l'illusion. En fait, c'est le système de la photographie, car à travers le négatif, on trouve l'image qui se révèle. Eh bien, c'est basé sur le même principe. Quand on somatise, c'est que le système est en échec. La maladie est un clivage, c'est une illusion, et elle nous permet de survivre et de donner du temps pour comprendre le sens qui doit être compris. C'est donner du temps au temps. On a, si la maladie, on peut comprendre son sens, alors on va guérir et en guérissant, on aura levé les interdits, on aura levé la mémoire douloureuse, on aura levé les silences et les mensonges parfois. La maladie est un passage à l'acte et c'est l'inverse de la symbolisation. Elle porte en elle la vérité de son besoin et le décodage biologique est en phase avec le stade de l'évolution actuelle de l'humanité. Lorsqu'on a la connaissance du sens et qu'on en a la cause, alors il y a transformation. La somatisation s'installe quand on perd la mémoire de la cause. Comme vous savez, il y a une expression dans la Bible qui dit « Les parents mangent des raisins acides et les enfants eurent les dents gâtées ou agacées. » Eh bien, le décodage biologique, comme la psychogénéalogie dans les autres piliers, c'est un jeu de pistes pour comprendre ce qui restait bloqué et ce qui n'a pas pu se déployer. Car c'est le but de la vie, c'est la manifestation et c'est l'idée fondamentale et le principe d'accomplissement. Et donc, la question va être de trouver ce chemin. Et c'est le cerveau qui est le moteur de cet accomplissement. Il fonctionne par élagage,
par couches successives. Et plus les espèces évoluent, plus le cerveau rajoute de nouvelles couches et des zones qui permettent d'aller plus loin dans la conscience. Alors maintenant, je vais venir à proprement parler au fait du décodage biologique. Juste avant tout, juste quelques mots d'histoire. Le décodage biologique a été présenté il y a maintenant aux alentours des années 70 par le docteur Gerd Hammer, qui était un clinicien, médecin hospitalier allemand. Et ce médecin a eu un drame dans sa vie puisque son fils a été assassiné et à la suite de ça, il a, comment dirais-je, développé de manière fulgurante un cancer des testicules. Et bien sûr, il s'est posé la question, mais c'est étonnant, je n'ai pas n'importe quelle pathologie. J'ai une pathologie qui est en lien avec les gonades masculines. Et donc, forcément, il doit y avoir un lien de cause à effet. Et c'est comme cela qu'il a fait des recherches auprès de ses patients à l'hôpital et qu'il s'est rendu compte que effectivement, à chaque fois qu'il y avait une pathologie, eh bien, c'était toujours le même conflit que racontait la patiente ou le patient. Et donc, c'est comme cela qu'il a pu en faire une grille de lecture. Et à ce sujet, il a guéri de ce cancer des testicules en faisant la paix, si c'est possible, de la mort de son fils. En tout cas, en l'apaisant. Et puis, ses travaux ont été repris par le docteur Claude Sabat, qui est donc celui qui m'a enseigné avec Hammer. Et Sabat a repris tous les travaux de Gerd Hammer, mais il a fait extension, dans la mesure où il a fait un magnifique travail de comparaison entre l'humain et l'animal, et il a raconté que chaque pathologie peut se retrouver dans le règne animal. Et par exemple, je donne un exemple, le cardiaque, la crise cardiaque, c'est la maladie du grand cerf. Pourquoi ? Parce que le cerf ne meurt pas d'une maladie, il part de la horde lorsqu'il est débouté par un plus jeune que lui et il va mourir d'une crise cardiaque loin de la horde. Le mouton, par exemple, ça sera un problème rénal, les surrénales, parce que la manière la plus adéquate pour le mouton, c'est s'il se perd, ce qui est souvent son cas, eh bien, les surrénales le bloquent et du coup, le berger peut le retrouver. Voilà, donc il y a une histoire très intéressante de Claude Sabat par rapport à la le décodage biologique. Enfin, le docteur Salomon Selam a repris les travaux aussi et il en a fait les bases de la psychosomatique. Alors justement, voyons maintenant un peu les notions de décodage biologique. Le cerveau n'a que 4 moyens pour raconter une histoire. On a appelé ça les 4 touches du piano. Il donne l'ordre de faire de la masse, c'est-à-dire les cancers et les tumeurs. Il donne l'ordre de faire du creux, et là, ce sont les les ulcères, pardon. Il donne l'ordre de débloquer, et là, c'est les tremblements essentiels et Parkinson. Et il donne l'ordre de bloquer, et là, on est dans les maladies invalidantes, CEP, fibromyalgie et rhumatoïde. L'idée, pour comprendre, puisque tout est symbolique, et on l'a vu dans les prénoms, on l'a vu dans les métiers, enfin dans tout, eh bien, il faudra chercher les mots-clés. Et en fait, ce sont des jeux de mots, et les jeux de mots et les poids des mots, les mots pouvant être écrits M-O-T-S et M-A-U-X. Donc, il sera
nécessaire de faire la recherche de votre mot de passe dont votre cerveau a besoin pour libérer tout votre corps d'un surstress qui empêche de vivre en pleine harmonie et en pleine conscience. Vous avez bien entendu, j'ai dit un surstress, car tant qu'il y a un stress moyen, minimum, la maladie ne s'installe pas. Par contre, c'est dans le surstress qu'elle s'installe. Et donc, tout à l'heure, je vous montrerai un petit dessin également qui va vous expliciter cela. Alors, il y a des notions principales en biologie. Et le mot important est un conflit psychologique, est un conflit qui a pris sa traduction dans la biologie. Et la maladie d'un enfant est un transposé d'un conflit psychologique d'un aïeul qui n'a pas pu trouver de solution émotionnelle. Une chose qui est importante à comprendre, elle est la solution parfaite du cerveau. Or, c'est vraiment l'opposé de la médecine conventionnelle. Et ces lois demandent 100% de certitude pour lever la mise en place de la pathologie. C'est un peu le même principe que les croyances lorsqu'on va à Lourdes. Si on a une absolue certitude de guérison, il y a des guérisons spontanées. Eh bien, le décodage biologique, c'est la même chose. Mais vous comprenez bien que avoir 100% de certitude quand on a un cancer, ce n'est pas toujours évident. Alors, à moi d'être incroyablement contagieuse pour vous faire admettre qu'il est possible de guérir à quelques stades de la maladie. Alors sachez que les joies comme les traumatismes se répètent par des cycles biologiques cellulaires mémorisés. Et ces cycles mémorisés s'appellent les cycles de Marc Fréchet. Alors du coup, plutôt que de vous faire un long discours, bien, je vais vous faire de nouveau un petit dessin. Là, ceci s'appelle la ligne du temps. Alors, vous voyez, la ligne du temps, eh bien, on va la voir sur une ligne horizontale, donc, et on va partir de sa date de conception, puis de sa date de... naissance, d'accord. Et ce qui va être intéressant et particulier, et ça c'est particulièrement intéressant en décodage biologique, bien que ça soit le même croquis que l'on peut prendre pour l'affectif et pour le travail, mais là c'est particulièrement intéressant parce que l'on va voir qu'il y a les cycles mémorisés. Et les cycles mémorisés, eh bien, ce sont, des cycles qui se mettent en place à travers une loi particulière qui s'appelle la loi d'autonomie financière. C'est marqué AF sur le dessin. Autonomie financière. Alors, comprenez bien, l'autonomie financière, c'est quand on ne reçoit plus d'argent du tout de la famille et que l'on n'habite plus dans la famille, soit parce qu'on s'est marié et le mari a pris le relais, mais à ce moment-là, on est autonome financièrement par rapport à la famille, ou bien on est célibataire et on est totalement autonome et on se gère par son propre travail. Donc, pour prendre un exemple, l'autonomie financière pourrait être à l'âge de 20 ans. Et donc, le premier cycle va être 20 ans plus les 9 mois de gestation. Le deuxième sera alors le double, c'est-à-dire 40 ans plus 18 mois. Le troisième cycle sera 60 ans plus 27 mois. Eh bien, cela vous semble peut-être curieux, mais
Je ne peux pas vous l'expliquer. Ça a été expliqué comme ça par tous les décodeurs biologiques, dont Hammer, dont Saba. Et en fait, le cerveau étant incroyablement en mesure de calculer, eh bien, c'est au jour près. C'est un, comment dirais-je, c'est du papier à musique. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, bien que vous avez certainement repéré déjà qu'il y a des cycles qui reviennent. Pourquoi je perds mon travail tous les 8 ans? Ou pourquoi je divorce 3 fois à des dates similaires? Et en maladie, c'est la même chose. Pourquoi je vais rejouer une maladie dans un temps donné? C'est à cause de ces fameux cycles mémorisés. Malheureusement, dans le temps, du temps où je travaillais moi et que j'ai fait mon décodage biologique, il y avait des disquettes avec tous les calculs et c'était très simple de le vérifier. Malheureusement, aujourd'hui, il faut le faire de manière manuelle car ça n'existe plus. C'est bien dommage parce que c'était extrêmement pratique. Je suis très étonnée qu'il y a 40 ans, c'était d'actualité et qu'on ne peut plus le trouver. En tout cas, voilà, je vous invite à faire votre calcul d'autonomie financière, qui peut être 18, 20, 25 ans, peu importe. Et surtout, si vous n'êtes pas né au bout de 9 mois, mais si vous êtes prématuré, eh bien, vous calculez très précisément, par exemple, 7 mois et demi, 8 mois, 8 mois et demi. Parce que, évidemment, du coup, les dates vont changer. Le premier cycle ne va pas être le même, et du coup, les autres seront aussi différents que si vous êtes né à terme. Alors, donc, ceci est extrêmement important pour comprendre comment vos maladies se mettent en place. Alors, une autre loi de la biologie, c'est ce qu'on appelle la quintessence. Oui, vous êtes la quintessence de la cinquième génération. En fait, au bout de 5 générations, comme vous êtes intéressé, toute personne étant là ce soir, eh bien, c'est que vous êtes sans doute, j'allais dire, missionné pour reprendre à votre compte ce qui n'a pas été réglé. Il faut savoir aussi qu'une autre loi de la biologie, c'est la circulation des mémoires qui se fait en trinité répétitive. Vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure le carré parfait, hein? 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Une autre loi, c'est le surstress, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Et le surstress, je vais vous montrer par un autre petit dessin à quoi cela correspond. Alors, je vais donc vous montrer le dessin, voilà. Et là encore, comme vous pouvez voir, voici le, comment dirais-je, la ligne du temps de nouveau, et je vais vous montrer comment la maladie s'installe. Donc, la ligne du temps, vous êtes conçu, vous naissez, vous êtes autonome, et puis la vie s'écoule et vous arrivez à un moment donné où il y a un traumatisme qui s'installe. C'est soit un traumatisme qui vous est personnel, soit un traumatisme qui appartient à votre ascendant et qui n'a pas été réglé avec lequel vous êtes en lien. Et donc, si vous arrivez à le gérer psychologiquement plus ou moins bien, eh bien, vous pourrez continuer à avancer sans qu'il y ait une maladie qui s'installe. Mais la vie continue, mais le cerveau, lui, n'oublie rien. Et donc, dans un cycle mémorisé, eh bien, on va vous représenter, j'allais vous dire, le plat un peu plus froid. Et là, peut-être vous pourrez encore le gérer et ça ne rentrera pas encore dans la biologie. Mais à un moment donné, vous ne pourrez plus le gérer psychologiquement, et alors là,
c'est là où la maladie s'installe et c'est ce que l'on appelle la mini-maxi-schizophrénie. En fait, c'est une triade du psychisme, du cerveau et de l'organe. Et en fait, comme vous voyez, ce sont des vortex. Et en quelque sorte, tant que vous avez pu le gérer psychologiquement, eh bien, c'est rentré dans l'inconscient. En revanche, il va falloir, pour pouvoir libérer et avoir l'information, il va falloir avoir besoin de quelqu'un pour sortir de cette fameuse mini-maxi-schizophrénie. Vous avez certainement repéré cela parce que si vous avez fait déjà des stages, souvent, les personnes concernées ne voient pas ce qui se passe, mais par contre, les personnes qui sont autour d'elles voient parfaitement ce qui se joue. Pourquoi ? Parce que justement, le conflit est tellement enfoui qu'on ne peut pas avoir accès et il faut une autre personne, entre autres un thérapeute, entre autres moi donc, pour vous aider à conscientiser le conflit. D'autant que vous ne connaissez pas le conflit proposé par Gerd Hammer. C'est pour ça que pour les maladies, autant on peut travailler seul la psychogénéalogie, quoique, mais en tout cas, pour les maladies, il est difficile de le faire seul. Mais je connais aussi des personnes qui se sont guéries et qui ont fait des résiliences seules. Mais c'est rare. Alors, donc, un autre aspect, une autre loi, c'est le conflit diagnostique dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein ? Il ne faut pas de doute, il ne faut que des certitudes. Et enfin, il faudra aller regarder votre projet sens. Vous avez vu, je vous ai aussi, dans le dessin précédent, entre conception et naissance, c'est votre projet sens. Vous allez naître au sens. Car l'enfant, pendant toute la gestation, il est en lien avec la mère, les émotions, il ressent tout à travers le cordon ombilical, et donc il est déjà programmé. Tu seras médecin, mon fils, alors que le petit embryon a la ferme intention d'être coiffeur ou artiste peintre. Et pourtant, il y aura des conflits, puisque on va faire, par fidélité et loyauté, un métier qui ne va pas plaire, et donc on verra des aspects discordants. Alors, la psychogénéalogie aussi se vit par le projet et le sens, et le sens de la représentation qui doit être optimale. En fait, c'est une imprégnation, et ça demande de l'exactitude, du sens précis, car à ce moment-là, on pourra trouver la cristallisation qui s'est faite dans la biologie. Et aussi, ce qu'on voit en décodage logique, c'est les mots qui sont maladisants, hein, les mots qui deviennent des mots, M-A-X, comme je le disais, mais aussi des mots guérissants. Et on peut guérir d'un mot. Tout à l'heure, je vous raconterai la petite histoire. En final, je vous donnerai quelques petites histoires où sur un mot, une personne a guéri parce que pour elle, ça faisait sens. Alors, on a vu que la programmation à travers la somatique, eh bien, se lit sur la ligne du temps et en lien avec les cycles biologiques. Donc, on a vu le projet sens, on a vu l'autonomie financière, on a vu le premier programmant où éventuellement on va pouvoir le gérer psychologiquement, puis il y aura un autre déclenchant, peut-être encore un troisième, mais là, on ne pourra plus le gérer, et alors ça sera la mise en place, la concrétisation par une pathologie et avec la loi de MMS, mini-maxi-schizophrénie. Alors, la maladie, elle survient à la suite d'un choc soudain et souvent brutal. Et Hammer nous dit, ce choc soudain et brutal surprend
et est vécu dans l'isolement. Vous voyez, ça demande différents aspects pour qu'une maladie s'installe, mais il y a aussi une chose importante, il y a une menace de survie. Et du coup, la pathologie, la maladie, est une possibilité de survie puisque ça donne du temps pour la compréhension. Et donc, il y a trois notions de ressenti, le réel, le virtuel et le symbolique, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Alors, vous comprenez bien que la cause est à chercher dans les fratries du dessus et que la maladie ne vous appartient pas. Elle est juste la manifestation biologique d'un drame non guéri du dessus d'un de vos ascendants. Alors maintenant, je voudrais vous montrer, mais au ralenti, comment s'installe une guérison. Parce que je vous parle de maladie, mais c'est important de, aussi que je vous parle de guérison. Ceci se fait en 8 étapes. Et il y a, en quelque sorte, un chemin de guérison et la maladie est une pause dans le temps de la vie. C'est évidemment quelque chose de complètement différent que ce que la médecine conventionnelle nous propose. Alors, un, il faut déjà prendre conscience de manière mentale et intellectuelle de comprendre ce que l'on veut guérir. Et on gardera donc les bases de vos croyances. Et puis l'histoire particulière. Et du coup, il va être nécessaire de faire la recherche des circonstances de la survenue de la maladie. D'ailleurs, vous le savez bien, même en médecine conventionnelle, les médecins nous demandent « Est-ce que vous pouvez dire ce qui vous est arrivé à telle date, c'est-à-dire avant que la maladie s'installe ?» Eh bien, en décodage biologique, il va être très très important d'être au plus proche de voir quand a démarré la pathologie, ça peut être un an ou deux ans avant, un choc important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le choc que l'on va ramener à la conscience, il est peut-être personnel, mais il est aussi transgénérationnel. Et souvent, ce n'est qu'une répétition de ce qui a été joué au-dessus. Alors, après la prise de conscience, on va avoir une explication. Il faut chercher l'explication, car en fait, il y a eu un déclenchement des activités conflictuelles, et cela à un moment T, hein, on l'a vu. Et donc, il y a corrélation entre la physiologie et le symptôme. Alors, en 3, il va falloir intégrer ces informations. Et du coup, c'est le cerveau féminin. Comme vous savez, le cerveau est bipolaire. Et donc, c'est le cerveau féminin qui va intégrer d'abord les informations. En fait, c'est une mise en évidence des ressentis. Et les ressentis, c'est plus émotionnel. On verra tout à l'heure dans les petites histoires que le ressenti de l'un n'est pas le ressenti de l'autre. Et donc, les pathologies ne vont pas être les mêmes pour la même histoire ou pour le même traumatisme. Et cette mise en évidence des ressentis, Freud en a déjà parlé en 1895, il appelait ça la conversation somatique. Alors, Hammer, lui, parle de teneur de conflit. Et en fait, il faut se demander que se passe-t-il en moi au moment de la survenue du conflit. Et la thérapeutique, c'est de retrouver ces conflits pour pouvoir les extérioriser. Donc, il va être important de dater le plus précisément possible le premier choc et pour libérer le traumatisme qui ne vous appartient pas. En quelque sorte, c'est une sortie émotionnelle. Mais ça ne suffit pas encore. Il faut un passage à l'acte. Et là, ça va être la mise en conscience. Et là, c'est le cerveau masculin qui va prendre le relais. Ça switch. Hein? Féminin, masculin, féminin, masculin. Et en fait, cette mise en conscience permet de laisser s'éclipser l'inconscient
de repérer les situations déstabilisantes et opérer une prise de responsabilité. Parce que, comme je vous ai dit, un, comprendre, deux, décider le changement, et trois, passer à des actes de guérison. Donc, une fois qu'on a compris, qu'on a daté, eh bien, on devient responsable. Soit on reste dans le choc, le traumatisme, dans son enfer ou dans son paradis, ou choisir son paradis, et à ce moment-là, on va pouvoir décider de sortir du schéma répétitif. Mais on peut encore se demander, est-ce vital de continuer? Alors, la suite, c'est ce qu'on appelle l'évidenciation. Et là, de nouveau, on passe du cerveau masculin au cerveau féminin. Mais c'est dans une fraction de seconde. Et vous savez, comme la petite expression oh, mais oui, mais c'est bien sûr, ça devient évident. Et quand c'est évident, alors ça prend sens, alors le cerveau peut donner immédiatement l'information de libérer le conflit et de lever le système de la maladie mise en place. Il y a donc tout d'un coup, on passe de la certitude à la vérité intérieure, et quand cette foi intérieure arrive, on peut passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est de nouveau le cerveau féminin qui va faire le lien entre les différents éléments qui font sens. Alors, ce qui est important, il faut respecter la personne parce que chacun et chacune, vous avez des propres protections. Et ce serait dangereux de forcer une personne à guérir d'une situation parce que parfois, il y a des protections qui sont mises. Donc, il faut y aller, j'allais dire, approcher avec beaucoup de bienveillance. Enfin, la suite, c'est une sereine acceptation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut accepter l'histoire telle qu'elle est, même si elle est difficile à connaître. Et à chaque fois qu'un symptôme arrive, il est proposé de chercher ce qui n'a pas été accepté, donc. Pour guérir, il est nécessaire d'accepter toute son histoire sur plusieurs générations, aussi douloureuse soit-elle. Une fois que l'on a accepté, on peut se réinvestir à l'aide d'un ami, et de nouveau, c'est le cerveau masculin. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui va demander d'agir pour sortir de son histoire. Et donc, la dernière loi, c'est ce qu'on appelle le réinvestissement. Et ce réinvestissement, en quelque sorte, c'est comme si vous sortiez, parce que vous avez compris la cause, vous en avez compris le sens, et du coup, vous retrouvez des forces vives. En fait, c'est une sorte de pulsion et un instinct de survie. Et cela débouche sur ce que j'ai appelé le projet CREME. CREME. C'est comme concret. Il faut bien sûr un investissement concret. Hein. C'est comme l'alpiniste, s'il veut monter à 3000 immédiatement, non, il va monter à 3000, mais en prenant faire des lacets, n'est-ce pas, en prenant des étapes, sinon il ne pourra pas monter. Eh bien, la maladie, c'est la même chose. Il faut avoir un projet concret qui soit réalisable, qui soit écologique, qui soit mesurable dans le temps et évolutif. Alors, il faut savoir qu'il y a parfois, le temps d'une guérison peut être variable. Bien que, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on a 100% de certitude, cela peut se faire dans l'instant. Mais parfois, il y a un chemin avec quelques embûches. Et il y a plusieurs types d'embûches. Évidemment, les fidélités familiales inconscientes et invisibles que nous avons vues les fois précédentes.
Par exemple, un deuil non fait qui a été bloqué à l'un des stades en lien avec un aïeul, mais aussi les fidélités intrafamiliales dans ma fratrie, mes parents, moi et le surmoi familial. Par exemple, dans les fidélités, on peut avoir le fantôme d'un enfant mort prématurément avec un enfant de remplacement qui, soit dit en passant, va s'appeler René, renaître à la place d'eux. Donc, ceci peut freiner la guérison rapide. Enfin, il y a ce qu'on appelle des conflits, des activités verrouillantes, et par exemple, en particulier lorsqu'il y a certains affects qui sont toujours actifs, et on a cela avec les maladies comme le surpoids, l'obésité et les fibromyalgies. En quelque sorte, c'est un peu comme, on va dire, un robinet qui goutte. Voilà, ça goutte en permanence, donc ça ne peut pas sécher. Eh bien là, c'est la même chose. Il y a des affects qui sont là en permanence et qui reviennent, et du coup, c'est plus délicat d'en sortir. Alors, je voudrais vous proposer de retenir trois mots. Ils sont des mots clés, c'est la prévention, c'est-à-dire connaître son histoire avant de tomber malade, l'entretien et la vigilance. Alors, je regarde quand même l'heure parce que je ne voudrais pas vous emmener trop loin. Maintenant, ce que je voudrais vous proposer, c'est des maladies. Par exemple, la maladie de Raynaud. La maladie de Raynaud, c'est une mémoire d'un choc suite à la vue d'une mort subite. Comme vous savez, la maladie de Raynaud, c'est quand on a les doigts, les pieds et les mains où les extrémités sont blanches plutôt. Eh bien, ça, c'est donc une mémoire d'avoir vu une mort subite. Les problématiques rénales, le rein, l'anagramme de rein, c'est le rien. Vous vous souvenez? Tout se joue de manière symbolique. Et encore une fois, c'est comme la langue des oiseaux. Eh bien, ce sont des mémoires d'écroulement et d'anéantissement. On n'a plus rien. Avec les hanches et le coccyx, et ce sont des mémoires d'agression sexuelle. Donc, si on vient en me disant « voilà, je suis tombée sur le coccyx ou le sacrum », eh bien, il sera fort à parier que j'irai chercher des mémoires de viol. Alors, avec la vésicule biliaire, nous avons des rancœurs familiales. L'asthme, ce sont des conflits de territoire. Et le petit exemple symbolique, c'est la mère qui est étouffante et qui dit à son enfant « j'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi ». Et du coup, l'enfant va étouffer en ayant de l'asthme. En fait, elle est un peu intrusive. Alors, maintenant, je voudrais peut-être vous parler d'autres, encore quelques maladies. Bien évidemment, je ne vais pas vous donner toutes les maladies parce que ce serait vraiment beaucoup trop long, mais je vais vous en donner quelques-unes. Alors, les allergies, on a vu que c'est un profond niveau d'intolérance. Alors, c'est pour ça que quand on parle d'intolérance au gluten, par exemple, tout à l'heure, je vous parlerai de cette histoire d'intolérance au gluten. Et ensuite, par exemple, l'acné,
le conflit de base, c'est une dévalorisation, de l'adolescent. L'alcoolisme, on l'a vu tout à l'heure, c'est combler un vide affectif et on a une mémoire de filiation qui n'est pas juste et on se sent inutile et sans valeur et on est en révolte face au monde extérieur. Alors, Alzheimer, c'est un peu plus compliqué d'aider quelqu'un qui a Alzheimer. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'est le cerveau qui est le pilote. Et Alzheimer, malheureusement, la maladie d'Alzheimer, c'est le cerveau qui est en difficulté. Et le conflit de base, c'est incapable de faire face à la réalité dans un grand désespoir. Et aussi, on n'arrive plus, bon, les nouvelles, on a plus de nouvelles idées, on ne se projette plus dans le futur. On reste dans le passé. L'anémie, c'est un découragement profond et parfois même un refus de vivre avec une grande tristesse. Et là encore, nous sommes avec les maladies de sang, n'est-ce pas? Avec des problèmes de filiation. Je vous donnerai quelques maladies par rapport au cancer, le cancer du col de l'utérus. Eh bien, il y a un conflit avec la relation avec le conjoint et plutôt la relation sexuelle. Le cancer de la prostate, par contre, c'est un désaccord d'un grand-père par rapport à l'éducation des petits-enfants où ne comprend pas comment, pourquoi la génération future est tellement différente de soi. Ça peut être le cancer de prostate. Quant au cancer du sein, alors je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a hémisphère droit, hémisphère gauche, et donc il va falloir toujours vérifier si on est droitier ou gaucher. Alors je ne vous rentre pas dans les détails parce que déjà je vous donne beaucoup d'informations et j'ai peur que de vous noyer, mais en tout état de cause, sachez que pour le cancer du sein, suivant si on est droitier ou gaucher, c'est soit un conflit dans le nid, c'est-à-dire soit avec un conjoint, soit avec un enfant où on vit une grande culpabilité. Et le cancer des ovaires, c'est souvent une perte dramatique d'un être cher et particulièrement d'un enfant. Les problèmes cardiaques, c'est le conflit de territoire. C'est je me sens évincé. Vous vous souvenez, j'ai parlé tout à l'heure de la maladie du grand cerf. Eh bien, vous avez certainement repéré que dans le temps, il y avait beaucoup d'hommes cardiaques qui, parce qu'ils se mettaient à la retraite et qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça, faisaient une crise cardiaque. Aujourd'hui, les femmes, maintenant, sont plus cardiaques que dans le temps. Pourquoi? Parce que les femmes travaillent. Donc nous sommes bien dans la notion de territoire-travail, alors que le rénal, c'est le plus le territoire émotionnel, affectif. Alors, le conflit de silhouette, c'est-à-dire l'obésité et le surpoids, c'est un conflit d'abandon. Et en fait, comprenez bien quelque chose, je voudrais vous faire un petit cadeau ce soir. Je dois dire que lors d'une conférence en direct, en live, j'avais un jour à Paris une dame en face de moi qui était vraiment en surpoids, une jeune femme de 30 ans. Et elle a écouté ma conférence et puis elle s'est inscrite à mon atelier, à ma formation, à l'époque en direct. Et je ne l'ai pas reconnue. Elle avait perdu 30 kilos. En fait, elle avait bien compris et elle avait été tellement touchée que elle a pu libérer et qu'elle mangeait après de manière tout à fait normale car elle avait libéré son conflit d'abandon. Et comprenez bien, lorsqu'on parle de conflit de perte ou d'abandon, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait des régimes? On nous demande de perdre du poids.
Donc c'est impossible. On ravive ce conflit de perte. Et donc, l'idée, c'est de gagner en minceur. Et là, ça devient gagnant-gagnant pour le cerveau. Alors, le diabète, il y a deux mots-clés. Le diabète, c'est à la fois la résistance et la répugnance. Je vous raconterai l'histoire de Denise tout à l'heure, quelques petites histoires. Pour l'eczéma, c'est une perte de contact avec un être aimé. Ex-zéma. Voilà. Donc, en fait, vous savez très bien que la peau, eh bien, c'est la barrière de protection. Hein. Donc, quelque part, je me sens perdue, séparée, en manque de contact et de toucher. J'ai tellement, tellement de possibilités. Ensuite, il y a des maladies, l'hyperthyroïdie par exemple, ou l'hypothyroïdie. Eh bien, là, c'est dû c'est relié au temps, car vous savez, thyroïde, elle gère le temps. Et donc, la mémoire, c'est il y a quelqu'un qui est décédé, soit trop tôt, soit trop tard. Exemple, on est en 44 et on va mourir dans les derniers jours de guerre. C'est complètement, le deuil ne peut pas être fait. C'est affreux d'être mort dans un temps où on aurait pu ne pas mourir. Donc là, on va être en hyperthyroïdie. Inversement, un autre exemple, un grand-père, on est dans les années 1850, et il va mourir parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques. Eh bien, là, il va être hyperthyroïdie, le descendant va être hyperthyroïdien, parce qu'il aurait fait, faut faire avancer le temps. Car bien sûr, aujourd'hui, on ne meurt plus parce qu'il y a les antibiotiques. Voilà. Ou bien, on va mourir parce que le médecin arrive trop tard. Donc, dès qu'on me dit trop tôt ou trop tard, il y a une thyroïdie, donc je peux rentrer dans ce sens. Ou bien, inversement, on me dit j'ai une thyroïdie et là, je vais voir quel est le traumatisme dû à une mort qui a été dans un temps donné et qui n'a pas été réglé. Alors, les maladies de sang, je les ai données, hein, les leucémies, c'est une grande dévalorisation, un manque de joie, et surtout, il y a aussi la notion de filiation qui n'est pas juste. Voilà, que puis-je encore vous dire? Je pense que avec Parkinson, je peux en parler, c'est un peu plus compliqué aussi, la maladie de Parkinson, parce qu'en fait, c'est un refus de se plier et on se sent dans un grand danger. On se sent dans une grande insécurité et une grande impuissance à reprendre sa vie en main, d'où l'étranglement. Voilà, je pense que j'ai donné un maximum de choses. Peut-être je donnerai la sclérose en plaques, parce que tout à l'heure, je vais vous donner une petite histoire. La sclérose en plaques, c'est une mémoire de déplacement avec une notion de pesanteur, c'est-à-dire un déplacement de haut en bas. C'est une chute. Hein. Un déplacement de haut en bas, et comme vous savez, on chute rarement de bas en haut. Donc forcément, par exemple, des morts de quelqu'un qui était un aïeul avec lequel le descendant est en lien, qui était par exemple... couvreur, et il est tombé, il est mort. Et donc là, on peut avoir quelqu'un qui va avoir une sclérose en plaques, mais ça peut être aussi une mort d'un jardinier qui tombe d'un arbre, ou encore un grand-père ou un enfant qui tombe dans un escalier, etc. Toujours dans un déplacement de haut en bas. Voilà. Alors, on a peut-être les dernières choses que je voudrais vous donner.
c'est les yeux. Il y a la myopie et en fait, et on a peur de voir le danger de trop près. Hein. Par exemple, beaucoup d'enfants sont myopes parce que quand les parents sont là à 3 cm du nez de l'enfant en lui disant « mais tu es nul, tu comprends rien », eh bien voilà, ça c'est la myopie. Donc on aime la personne et en même temps, on en a peur. L'hypermétropie, c'est plutôt un conflit de l'œil dans le temps et l'espace. Le glaucome, comme vous savez, ça fait un effet loupe et on a besoin de grossir l'objet pour accéder, sinon je le rate. Donc c'est la solution parfaite, le glaucome, pour voir mieux. Le décollement de rétine, c'est un conflit qui est atroce et qui s'impose à l'œil. Et le strabisme, c'est un conflit affectif dans le présent. Voilà. Alors, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'autres maladies, mais vous voyez comment on peut déjà avoir plein, plein d'informations sur l'histoire à proprement parler. Alors, pour terminer, plutôt encore que vous faire une liste, comme je viens de le faire pour maladies, c'est un peu rébarbatif. Je voudrais juste maintenant vous conter quelques histoires, hein, du conte de fées au conte de fées. Alors, je vais commencer par la mienne. En effet, il y a de nombreuses années, j'ai déclaré une maladie extrêmement invalidante qui était très proche de la SEP. Enfin, j'ai eu en tout cas une fibromyalgie, mais j'étais vraiment très invalide. Et j'avais des douleurs épouvantables dans les hanches, dans les cuisses, et je pouvais avec peine, décoller les genoux, hein, mes jambes se fermaient. Eh bien, je vais vous raconter mon histoire parce que, en fait, c'est quand même un cas où vous allez voir que tout est relié. Souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure que les maladies invalidantes font partie de la troisième notion du cerveau, à savoir qu'on va faire du blocage. Hein. Mes jambes étaient bloquées. Et dans cette configuration-là, la notion, c'est il y a eu un drame qui s'est passé dans une chute. Alors, ça peut être chute réelle, virtuelle ou symbolique. Alors, encore une fois, c'est un déplacement de haut en bas. Eh bien, maintenant, je vais vous raconter mon histoire. Lorsque ma petite fille a eu 3 ans, la fille de mon fils, j'ai donc développé cette pathologie invalidante. J'étais pas loin d'aller à la chaise roulante. D'ailleurs, mon grand-père était en chaise roulante. Il se trouve que je suis dans une date signifiante, date anniversaire, reliée dans les, vous vous souvenez, des 4 points de lui. Eh bien, en fait, j'ai décidé, bien sûr, de m'occuper de ma propre maladie, parce que c'est bien gentil d'en parler avec les autres, mais j'allais dire, charité commence, bien ordonnée commence par soi-même, mais surtout, c'est de ne pas dire « faites comme moi, mais faites pas comme je fais ». Et donc, je me suis attelée à comprendre ce qui se passait. Eh bien, figurez-vous que, évidemment, comme j'avais déjà un âge certain, et que mes parents m'ont eu très très tard, mes parents étaient décédés, je n'ai pas de frères et sœurs, mes oncles et tantes étaient décédés, mes grands-parents, je ne les ai jamais connus, et mes arrière-grands-parents non plus. Donc, je n'avais aucun moyen d'avoir l'information, et ma famille m'avait raconté fort peu de choses. Eh bien, j'ai eu la chance, parce que j'ai décidé que l'univers était généreux et allait me donner des informations, j'ai été invitée par une de mes consœurs à faire une constellation familiale. J'en ai fait 2. Et les 2 fois sont sorties les mêmes histoires. Alors voilà la véritable histoire. En fait,
mes grands-parents habitaient Paris. Et ils sont descendus dans le sud de la France, à Nice, pour... ils étaient chanteurs d'opéra, pour chanter et à l'Opéra de Nice et Opéra de Menton et de Monaco. Ma grand-mère était enceinte et elle a accouché à Roquebrune, enfin à côté de Nice. Puis ils sont remontés à Paris et ils ont laissé leur fille pendant 3 ans chez une nourrice. 3 ans. Il me semble que nous l'avons déjà entendu, ce 3 ans. Et donc, souvenez-vous, c'est la grand-mère qui accouche d'une petite fille, et moi, je suis grand-mère d'une petite fille de 3 ans, et je me paralyse. Je vous rappelle que la maladie est la solution parfaite du cerveau. Et donc, je vais donc apprendre en fait la véritable histoire. Et en constellation, je vais apprendre le secret de famille. En fait, ma mère, la petite fille en question, n'est pas la fille de ma grand-mère, qui s'appelle au passage Marguerite, souvenez-vous, il s'agit de mémoire de viol. Eh bien, je vais apprendre qu'en fait, mon grand-père, qui était un homme, allez, on va le dire, qui aimait beaucoup les femmes, est descendu subrepticement dans le sud de la France et il est conté fleurette à la nourrice de cet acte malencontreux, c'est le moins qu'on puisse dire, est né un autre enfant, pratiquement en parallèle de l'enfant de la famille. Cela dit, l'enfant de la famille s'est noyé et 3 ans plus tard, c'est l'enfant de la nourrice qui a été envoyé de nouveau sur Paris. Donc, ma mère n'est pas la fille de ma grand-mère, Marguerite, mais elle est le fruit du viol. Vous comprenez maintenant pourquoi je raconte cette histoire dans ma biologie. J'avais les genoux serrés, les hanches fermées. C'est-à-dire que, comprenez bien que la solution parfaite pour une femme de ne pas être violée, c'est d'avoir les hanches fermées et les genoux serrés. Quand j'ai compris cela, j'ai évidemment fait mes actes de guérison, parce que, encore une fois, il n'y a pas de fatalité pour quelque maladie que ce soit. Et donc, j'ai pu guérir pourquoi? Non pas en comprenant seulement, mais en étant touchée émotionnellement par cette jeune fille de 20 ans qui non seulement a été abusée, non seulement a eu un enfant, mais en plus va le perdre, car sous le sceau du secret, va le donner à la famille 3 ans plus tard. Eh bien, après cela, je suis allée à la mairie et j'ai eu toutes les informations, car quelques jours après la constellation, je suis allée regarder mes papiers de famille et j'ai trouvé une petite lettre de cette nourrice. Cette lettre, elle avait 70 ans. Je n'avais jamais vue. Et en fait, c'était la lettre de la nourrice qui disait: Comment va ma petite Simone? Et ça, c'est le nom de ma mère et le prénom de ma mère. Et c'est donc le prénom de la deuxième enfant. Eh bien, voyez comment le cerveau fonctionne. Moi, à ma génération, j'ai fait des jumeaux. Car pour le cerveau, c'est au cas où il arrive un drame, l'autre est la roue de secours. Eh bien, figurez-vous que lorsque j'ai commencé à guérir, comprendre, j'étais appelée à Paris pour faire une conférence à médecine douce. Donc, vous voyez, je refais le chemin inverse, je remonte à Paris et là, je vais chercher un emplacement pour faire mes stages. Eh bien, je vous le donne en mille. Tout à fait dans le pur des hasards, entre guillemets, bien sûr, il va m'être donné le nom d'une dame qui s'appelle Nathalie. Nathalie, problème de naissance, et vous voyez qu'il y a bien un problème de naissance là. Eh bien, là,
L'emplacement de ce lieu, c'était précisément dans l'immeuble de mon grand-père. C'est Grand Paris. Donc vous voyez que tout se tient. Les métiers, les maladies, les prénoms, les dates de naissance, les places, les noms de rue, les numéros de téléphone, tout ça fait sens et on peut avoir énormément d'informations. Voilà. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que au moment où je suis quasiment guérie, Nathalie va me demander de quitter ce lieu et je vais devoir chercher un autre lieu. Et là, c'était le nom d'un prénom et d'un nom d'un artiste. Et j'avais effectivement à gérer quelque chose par rapport à un artiste. La vie est incroyablement généreuse et nous donne l'opportunité de guérir. Alors, j'ai encore beaucoup, beaucoup d'histoires à vous raconter, mais je pense que je crains que ça soit un peu tard. Je vais peut-être juste vous raconter l'histoire, une seule encore, parce que ce serait trop long. J'en avais prévu 6 ou 7, mais vous voyez comment les choses se passent. Mais je vais vous donner la dernière histoire, parce qu'elle est intéressante et elle est drôle. Une dame vient me voir, et on est au mois d'avril, et elle a des allergies. Et elle a ce qu'on appelle... elle fait de l'édème de Quincke. Et ça, c'est évidemment très invalidant. Et donc, on commence à travailler, mais elle vient pas pour ça la toute première fois, elle vient pour comprendre pourquoi elle trouve toujours des patrons qui sont très difficiles. Et on va voir qu'elle trouve des patrons qui sont exactement dans la même veine, je dirais, que son père, et on règle la chose. Au deuxième rendez-vous, elle est en allergie parce qu'on est au mois d'avril. Et là, tous les mois d'avril, elle fait ses plantations et elle, elle gratte la terre et systématiquement, tous les ans, elle fait des allergies monstrueuses. Alors, comme je sais ce qu'est l'allergie, ce sont des mémoires de séparation et de perte d'être cher, tout d'un coup, il faut savoir qu'elle avait une allergie particulière, elle avait une allergie j'ai un tout petit creux, un tout petit trou de mémoire, oui, ça y est, excusez-moi. Elle faisait des allergies aux graminées. Aux graminées. Hein, c'est normal, les graminées, c'est au mois d'avril. Et en fait, comme je sais que tout se fait comme des jeux de mots, je vais lui demander, connais-tu un chat, une histoire avec un chat? Et elle me regarde, elle me dit, mais pourquoi donc? Je ne comprends pas. Et là, elle tombe en larmes. Et elle me dit, mais oui, effectivement. Et elle me raconte. Elle était, à l'époque, elle avait 14 ans. Et elle avait un chat qu'elle adorait. Et ses parents et elle sont allés en vacances. Et ils faisaient du camping. Et le terrain, il y avait des restanques. Et le chat se promenait, bien sûr, tranquillement. Or, le père a dû partir précipitamment. Et a dû demander à sa fille de partir. Et malheureusement, le chat n'était pas là. Et donc, ça a été un drame pour la petite Chantal qui a dû laisser son chat sur cette terre avec des restanques. Or, il se trouve que chez elle, elle avait fait aussi dans son jardin des restanques. Donc, tous les printemps, le cerveau se souvenait du drame de la séparation d'avec ce chat. Et je vais lui demander, comment s'appelait ton chat? Eh bien, elle va me dire, il s'appelait tout bêtement Minet. Et je vais lui demander, est-ce qu'il était gras ou maigre, Minet?
Et en fait, c'était un gros chat. Il était graminée. Donc, elle n'est pas allergique aux roses, ni allergique au gluten, ni allergique à toute autre chose. Elle était allergique aux graminées. Eh bien, lorsqu'on s'est revus, elle m'a dit qu'elle n'avait plus jamais eu d'allergie après avoir remonté cette information. Et il se trouve que c'était déjà dans l'histoire familiale les allergies et la perte d'être cher. Alors voilà, j'avais beaucoup, beaucoup d'autres histoires, mais je vois que c'est trop long. Donc si vous avez envie, j'oserais vous dire, eh bien, contactez-moi si vous le souhaitez. Alors comprenez bien que si vous repérez les secrets de famille qui invalident votre équilibre santé, alors vous pourrez accepter la pleine santé. Vous pourrez accepter de l'élever pour trouver votre propre voie sans être tenu de les raconter par une pathologie. Mais cela dit, je vous en conjure, ne vous précipitez pas sur vos parents ou grands-parents en leur demandant de vous répondre absolument, car ils cachent souvent en eux des peines et des blessures qu'ils ne peuvent révéler, et parfois ils ne connaissent pas non plus l'histoire. Et c'est là que les constellations familiales sont un outil extraordinaire de connaissance. Je vous invite seulement à leur dire en préambule que dans votre quête de vérité, vous ne venez pas en accusateur ou accusatrice, mais que vous aimeriez avant tout connaître juste leur histoire. Souvenez-vous que la psychogénéalogie est une manière sacrée d'appréhender la vérité sur votre histoire familiale et que vos maîtres et que vos guides, dès lors que vous en faites la demande, vous aideront par la loi de synchronicité à vous apporter les réponses. Vous avez vu moi, je suis allée sur Paris dès que j'ai voulu guérir. Or, ça faisait des années que je n'étais pas allée sur Paris, puisque je vis dans le sud de la France. Et c'est comme cela que j'ai atterri chez mon grand-père, enfin dans l'immeuble du grand-père, et c'est comme ça que j'ai pu libérer la mémoire. Alors, j'espère avoir été assez contagieuse pour vous donner l'envie d'emprunter ce chemin initiatique grâce à ma méthode que j'ai appelée Holistic Act. Si c'est oui, je vous invite à faire ce cadeau et de vous inscrire à cette formation qui, je dois vous dire, donc est sur 5 modules, affectif, travail, sexualité, santé, relationnel et communication. Et sachez que en ce moment, la vibration de la Terre est tellement élevée que cela peut vous aider à faire vos transmutations et à offrir à votre âme qui vous souffle avec persévérance de vous faire ce cadeau libératoire. Alors, en fait, je ne vais pas reprendre, parce qu'il est tard, l'explication de ACT. Vous pourrez le trouver sur mon site. Ma formation, la seule chose que je voudrais vous dire, c'est qu'actuellement, normalement, elle est à 1 400 €. Je la fais à 50%, c'est-à-dire qu'elle n'est qu'à 700 € et elle est divisible par 5, c'est-à-dire que chaque pilier coûte 147 € et vous avez énormément d'informations, encore plus que ce que je vous ai donné là. Et surtout, il y a des vidéos avec la manière dont vous allez pouvoir guérir avec des soins, des prières et des exercices de libération, bien sûr, pour magnifier les dons et les joyaux de vos ancêtres qui sont souvent enfouis sous des peines inavouées. Alors, là, j'espère encore une fois que j'ai été suffisamment contagieuse et que vous aurez envie d'être heureux et heureuse dans votre santé, bien sûr, mais dans votre vie relationnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de la sexualité et dans votre communication.
Alors, je voudrais terminer simplement pour vous dire que il n'y a pas de prérequis, hein, que tout le monde peut faire cette formation. La seule chose qu'il faut, c'est accepter de travailler en transparence sur sa propre histoire, et puis surtout d'accepter d'aller et de vous engager vers le bonheur et rien que le bonheur. Alors, si vous le souhaitez, si cette soirée vous a parlé, eh bien, je vous redonne la date de votre prochain rendez-vous, qui est le 18 mars à 20h30 aussi, et le thème en sera sexualité et maternité. La seule chose que je vous propose de faire, c'est d'être infidèle et d'être déloyal maintenant aux souffrances de votre clan. Alors, pour terminer, je voudrais juste aussi vous dire que lorsque vous vous inscrivez, je fais deux cadeaux complémentaires. Un, je vous donne votre signification de prénom, également la signification de votre ange gardien, puisque je rappelle que je fais aussi des accompagnements d'âme pour se connecter à ses anges et à ses êtres de lumière. Et bien sûr, si vous faites la formation, vous me donnez forcément votre date de naissance et là, je vous donnerai beaucoup d'explications sur votre ange gardien. Voilà, je voudrais vous souhaiter des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Cette décision, si vous le faites, elle sera vécue comme une contribution à l'accroissement du bonheur et à la mise en place de cette nouvelle terre et de cette nouvelle humanité, car vraiment, notre terre actuellement, notre monde, en a tout particulièrement besoin. Alors, je voudrais terminer simplement par la citation de M. Martin Luther King. I had a dream, eh bien moi j'ai le rêve que chacun et chacune puisse s'épanouir totalement pour devenir des artisans de lumière et collaborer ainsi à la création d'un monde meilleur et de ce monde qui en a tant besoin en ce moment en particulier. Alors, merci pour votre présence et je vous dis au 18 mars pour connaître ce que vous portez et ce qui vous freine dans le pilier de la maternité et de la sexualité. Alors maintenant, si vous le désirez, bien qu'il soit un peu tard, si vous le voulez, eh bien je vous invite maintenant à me poser quelques questions, si vous en avez encore le cœur, parce qu'il est déjà, oui, cela fait 2 heures que nous sommes ensemble. Je suis incapable de faire plus court, j'aime vous donner un maximum d'informations. Alors, si vous le voulez, je vais essayer de voir si vous m'avez posé des questions pendant que je vous parlais. Ah. Je voudrais remercier Léa qui a fait une petite. Un témoignage. Bonsoir. J'étais là à la dernière constellation familiale. Incroyable ce qui a bougé depuis. Écoute, je suis ravie, Léa. Merci beaucoup pour ton partage et ton témoignage. Et il n'y a pas bien longtemps pourtant. Alors, est-ce qu'il y a des questions précises sur le décodage? Elodie nous demande, comment distinguer une maladie qui a été créée par notre propre histoire personnelle, celle qui est le fruit? Alors, c'est une bonne question, ça, Elodie. Alors, en fait, l'idée, c'est que les histoires personnelles sont toujours transgénérationnelles. Donc, moi, je commence toujours par voir le conflit inhérent à la maladie que vous avez créée.
et ensuite, je vais faire le lien, à voir à qui tu es affilié et qu'est-ce qui s'est joué à cette époque-là chez l'ascendant. En général, c'est toujours les deux. Et en plus, c'est dans une date signifiante, ce que l'on appelle donc les dates anniversaires. Sylvie demande, est-ce que c'est celle qui vit, Sylvie ? Oui. Alors, en fait, Sylvie raconte plutôt l'inverse. Oui, c'est toi qui vis, Sylvie, mais tu racontes l'histoire d'un enfant qui n'a pas vécu. Et s'il avait vécu, hein, Sylvain, s'il était venu, voilà. Donc Sylvie raconte qu'il y a certainement eu dans l'arbre que tu es peut-être lié à des morts inacceptables, inacceptées, d'enfants ou d'IVG ou de fausses couches. Ah, on ne voit pas trop les schémas, décidément, je ne peux pas faire mieux. Voilà, Fabienne confirme, et merci Fabienne d'avoir confirmé. Ah non, pardon. Si, c'est ça. Elle confirme en deux temps, c'est pour ça que j'ai dû le relire, qu'un grand-père, effectivement, il y manque un grand-père dans, en tant que père biologique. Et ça peut être la mémoire de problèmes circulatoires ou de leucémie, mais tu demandes comment se fait-il qu'il reste en bonne santé, parce que heureusement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne prend pas toutes les problématiques. Moi, je pars dans l'autre sens. S'il y a les problématiques, alors on va vérifier la filiation d'un père biologique manquant. Mais heureusement, et tant mieux que ton fils reste en bonne santé. Alors, les problématiques de thyroïde, j'en ai parlé, hein, c'est relié au temps. Alors, Laila demande, je n'ai pas de point de gisant, c'est normal, Laila, parce que très peu de gens en ont, car heureusement, des enfants ne sont pas tous missionnés pour raconter des drames inacceptables et inacceptés dans le clan. Donc, effectivement, beaucoup de personnes n'ont pas de point de gisant, c'est normal. Alors, ensuite, je vois que les propositions, j'en ai parlé de ces maladies-là. Donc, j'avance. Alors, Josiane demande pourquoi on a eu dans l'espace de 7 ans plusieurs problématiques de santé. Parce que justement, ça fait partie des cycles mémorisés de Marc Fréchet que j'ai expliqué abondamment tout à l'heure, Josiane. Voilà. Alors, Coralie demande... Vous dites, ACT, c'est une formation aux constellations familiales. Non, ACT est une formation qui a un déroulé très, très, très vague, vaste, pardon, sur la psychogénéalogie dans les 5 piliers, dont les maladies, le décodage biologique, et en plus, il y a dans cette formation à faire deux constellations familiales. Mais ce n'est pas une formation de constellations familiales. C'est des ateliers qui sont à faire comme les 5 piliers ACTES. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout des questions. Encore une fois, je tiens à vous remercier vivement. Vraiment vivement, j'ai mis des lunettes parce que c'est écrit très petit. Voilà. Je me suis guérie de la pathologie invalidante, comme je vous l'ai expliqué, mais pas encore des yeux. Je vais m'y atteler incessamment sous peu. Voilà, mes chers amis, je vous remercie infiniment pour ce temps. Vous avez été très patients, nous sommes encore 116 personnes. Donc, j'espère que vous avez maintenant compris les pistes et que vous avez envie de vous libérer. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Voilà.
Namasté. Namasté. Merci à tous. Merci à toutes. Je vous souhaite de beaux rêves, comme je le disais tout à l'heure. Je vous souhaite d'être libre, d'être autonome et de vivre votre réalité, de vivre votre conte de fées personnel en comprenant de qui vous portez l'histoire et en acceptant de la libérer en devenant infidèle. Merci à vous. À tout bientôt. J'espère vous voir le 18 mars. Et en tout état de cause, si vous n'êtes pas en ligne, sachez que sera mis sur ma page YouTube le replay. Et vous pouvez aussi aller regarder mon site dominiquejacob.fr. Puis aussi, vous connecter à ma page Facebook pour être en ami, comme ça, vous aurez mes informations avant que l'Earnybox vous écrive. Voilà. Une dernière chose, je vous ai parlé tout à l'heure de mes ateliers de 2 heures. Ils me tiennent très à cœur parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous vivons, pour être le plus centré possible, pour être le plus connecté, pour être le moins perturbé par tout ce qui se vit entre la pandémie, la guerre actuellement en Ukraine, etc., etc. Pour être le plus centré sur soi, sur son cœur, en reliance avec les guides, je fais tous les 15 jours des ateliers avec des méditations et des exercices particuliers pour se connecter à ses maîtres et guides. Et donc, la prochaine fois, ce sera le 7 mars et je serai ravie de vous y accueillir. Sachez que j'ai voulu que cet atelier de 2 heures soit le moins onéreux possible avec beaucoup d'informations. Cela ne coûte que 20 euros. Et voilà, j'en ai des retours en sachant que beaucoup, beaucoup de personnes trouvent ou retrouvent leur connexion au monde invisible et au guide de lumière. Donc, si cela vous tente, eh bien, je vous dis peut-être au 7 mars. Bonne soirée à vous tous et bonne soirée à vous toutes. Au revoir.